Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur OP Button Aval, OP Voice Chronicle, OP Stretches, OP Chapeau de Paille pour vous parler de quelque chose dont j'ai parlé, dont on a fait une vidéo, dont j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines à peu près. Vous vous souvenez de la vidéo des skins Jose Zoro là? Eh ben, un skin est arrivé dans le jeu, ce n'est pas celui de Jose, mais c'est celui de Zoro. Il y a un pack de skins pour le Zoro qui est sorti, qui est arrivé. Et du coup je voulais faire une vidéo pour qu'on voit ensemble ce que ça valait en fait, si c'était 0€, si on pouvait le gagner, si c'était peut-être 2€ comme j'ai dit. Et ben, je vous laisse regarder. 15€. 15€ pour le pack de skins, du coup Zoro Stampede, plus 900 diamants, plus 10 tickets, plus 200 gabéries. Ça fait mal. 15€ pour le skin, moi je sais que je vais pas l'acheter, comme je joue pas Zoro, j'ai pas Zoro dans ma team principale. Et même un skin, t'es pensé 15€ pour acheter skin, après t'as 900 diamants, des tickets, ok, t'as pas que le skin, mais fou, ça fait mal un peu au cul. Après le skin, il rajoute des putains de stats quand même aux Zoro, il rajoute PV plus 2,5% et attaque plus 2,5, c'est vraiment pas mal, pourcent je crois, c'est pourcent. Je crois qu'ils sont buggés, attendez, je vais aller voir, merde. Héros. Zoro, boom, skin. Ouais, c'est 2,5% de l'attaque aussi. C'est plus 2,5% de l'attaque. C'est vraiment énorme. C'est vraiment pas mal. Du coup, moi, je l'achèterai pas comme je joue pas Zoro. Mais vous, vous pouvez l'acheter si vous jouez Zoro. Vous avez déjà un Zoro 280. Vous voulez plus de puissance. Vous êtes déjà VIP 15. De toute façon, si vous êtes déjà VIP 15, vous avez, je sais pas combien d'argent dans le jeu. Vous pouvez rajouter des petits 15€. Ça change rien. Mais pourquoi pas si vous voulez jouer un Zoro avec plus de dégâts. Du coup, votre Zoro fera plus de dégâts. Du coup, c'est pas mal si vous voulez que. Si vous étiez en train de stagner avec votre team, et bah là, le skin de Zoro pourra tout changer. Comme en vrai, les stats qu'il donne, ça peut changer vraiment une game, vraiment. Mais du coup, voilà, pack de skin, 15€. J'ai pas l'impression qu'on peut le gagner autre part, en fait, pour l'instant, en tout cas. Vous avez encore une semaine à partir d'aujourd'hui pour l'acheter dans le pack. Après, est-ce qu'il va revenir? On sait pas. Est-ce qu'il sera redroppable? On sait pas. Est-ce que tu l'auras gratuit à un moment? On sait pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il sera gratuit à un moment. Peut-être plus tard dans un event où on pourra essayer de l'avoir gratuit, mais il faudra dépenser un peu d'argent quand même. C'est possible, je sais pas. On n'en sait rien. Mais du coup, voilà, je fais une vidéo pour voir un peu le skin, le pack de skins. Du coup, le skin de Zoro est arrivé, Zoro Stampede. En vrai, moi, je l'aime bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien, je le trouve stylé. Je préfère Jose. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous allez l'acheter ou si vous l'avez acheté. Moi, je l'achèterai pas, c'est sûr. Si un skin de Magellan, pourquoi pas. Mais un skin de Zoro ne m'intéresse pas. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo très rapide pour voir ça, pour voir le pack ensemble et pour vous dire aussi, pour vous prévenir que, si vous n'avez pas vu, que le skin était sorti. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est tout.